Salut à tous et à toutes, bienvenue. Ça est belle l'image, donc. Attends, ça fait un petit selfie là. Voilà, une petite photo. Ouais, j'aime bien là. Sympa. Hein, donc, bienvenue. 19h29, nous sommes le vendredi 26 avril 2019. Voilà. Donc, on va continuer. Donc, on a vu Chicago qui doit prendre du métal en bas. Donc, nous, on va prendre en haut. Hein. De toute façon, il y en a pour tout le monde. Il n'y a pas de souci. Hop hop. Vous ne connaîtriez pas un bon plombier en Haute-Corse qui pourrait faire quelques travaux dans une villa, non? Ah, c'est un message. Parce que là, je suis à deux doigts de faire venir quelqu'un du continent. Hein. Merci à toi, Didisland. Merci pour ton Twitch. Hein, si vous connaissez quelqu'un en Haute-Corse, sinon bah, je vais faire venir quelqu'un. Le problème, c'est que les artisans, ils viennent. Même les grosses boîtes, hein, ils viennent. Et j'ai pas de nouvelles après. Alors je sais pas si c'est trop demandé de ma part, je sais pas. Voilà. Donc ça serait pour installer une douche, une toilette, un cumulus. Hein. S'il y a un bon plombier derrière qui voudrait bien venir du continent à chez nous, il serait logé évidemment à titre gratuit et bien sûr on paierait ses travaux évidemment. Voilà. Mais bon, hors saison évidemment, hein, je précise, faut pas qu'il vienne en juillet ou tard parce qu'il y aura du monde là et les travaux. Même s'il vient avec son épouse, hein, trop compliqué ça. Ouais, c'est compliqué, Zarakto. Même s'il vient avec son épouse, hein, il fait hors saison, hein, octobre ou mars. Il vient avec son épouse et voilà, il travaille le matin et l'après-midi, il va se promener avec son épouse à la plage, il va visiter et tout. On lui offre le logement, hein. Voilà. Sera logé, pas nourri, hein, pour pousser le bouchon trop loin, Maurice. Voilà, ça serait cool. Parce que là, j'ai du mal, on a du mal à trouver. Il y en a beaucoup qui sont venus et on n'a pas de réponse, on n'a pas de. C'est comme ça. Ça c'est bon. Alors attendez, parce que j'étais chercher mon doc. Attends, on va faire une image comme ça. Ouais. Je vais monter dessus. Oh, comment il est l'aigle? Ça va aller de moitié. Impeccable. J'aurais bien mangé un petit saucisson corse. Tu m'étonnes. Tu vas me faire envie, Zarakto. Faut que je me relève après. Ah oui, ça. Du Londres. Mets l'eau à la bouche, entre le couscous et maintenant la charcuterie corse. Faut pas me parler de bouffe à cette heure-là, les copains, mais oh. Oh là, Patricia me fait un petit boon. Boon, c'est de la viande de porc avec des spaghettis aux 5 parfums. Spécialité vietnamienne. Je vais me régaler. Attends, je sais plus moi, on fait le métal avec la pioche. Hein. Voilà. Donc on prend le maximum. Alors attends, parce que là, je suis plein. 183, c'est bon là, c'est pas trop plein là, copain là. Oh, mec. Voilà. Ouais, tout à fait, Zarakto. C'est une Eurasienne. Sa mère est née à Hanoï. Sa mère a dû fuir le Vietnam à cause des Vietcong. Parce
parce que sa mère avait les yeux verts. Et c'était pas bon à l'époque au Vietnam d'avoir les yeux verts parce que c'était pas pur. Ça me rappelle un petit peu un Allemand qui voulait des blonds aux yeux bleus, tu vois. Voilà. Donc, arrachage. Ah, purée. Ouais, elle a fait des nems, a fait des spécialités vietnamiennes, le riz cantonais. Ah, mais elle a fait aussi des spécialités japonaises comme le poulet teriyaki, les sushis évidemment. Je l'ai connue comment du coup? Bah, j'en avais parlé déjà. Sur une plage, hein, sur une plage, j'étais en train de bosser dans une baraque à fric, moi. Puis elle était venue avec des potes et des copines. Et puis elle avait fumé la même chose que moi. On était à chaise tous les deux, puis au premier regard, on est tombé amoureux, quoi, tout simplement. Elle est revenue 2 jours après. C'était un 15 juillet, elle était revenue, parce que le 14 juillet, elle ne pouvait pas travailler, elle était restauratrice, serveuse, comme moi d'ailleurs. Et puis voilà. Voilà. Ça fait 33 ans, 34 ans qu'on est ensemble. Il y a eu des beaux débats, mais maintenant, ça va, quoi. Je complète. C'est cool. Non, elle n'était pas abandonnée, la plage de Rennes. C'est pas Brigitte Bardot que j'ai rencontrée non plus. Ça va, je peux parler, elle est pas là, elle est dans la cuisine. Sinon, j'aurais le droit à des réflexions. Mais bon, ça va. C'est un peu moins cool. Ouais, non, pas serveuse, fia. Non, j'étais serveur. Serveur cuistot. Moi, j'en ai fait des boulots. Hein. Je vais pas tous les mentionner parce que ça voudra dire que, hein, j'ai pas envie de. Voilà. Fumer la même chose que toi, c'est-à-dire c'était du double zéro, Rem. Tout simplement, on était HS tous les deux. Ouais, on devait avoir le même fournisseur. Ah, eh ouais, enfin bon. Mais bon, 2 jours après, on n'était plus sous l'effet d'eux. Hein. Tu sais, je rigole bien. Ouais, je sais bien, fier. Eh ouais. Mais bon, je regrette pas. Hein. C'est cool. Hein. On est toujours ensemble. Hein. C'est beau ça. Hein. On a arrêté le double zéro, hein, par contre. Hein. Bon, si on devait se séparer, il faudrait peut-être qu'on refume du double zéro. Il faut vraiment qu'on soit sous le coup de. Hein. On sait pas ce qu'on fait. Hein. Jamais regretté. Oui, non, il y a des trucs que je regrette par contre, j'arrête tout. Il y a des choses que j'ai faites que je regrette et je ferai autrement. Mais des rencontres comme ça, non, faut pas regretter, c'est sûr. Sais pas, ça t'est jamais arrivé d'avoir fait pipi au lit. Tu regrettes quand même d'avoir fait pipi au lit. Bon, moi j'ai fait pipi au lit, ça, bon, pas à cet âge-là, hein, pas encore. Faut que j'attende que je sois plus vieux, peut-être, j'en sais rien. T'as jamais fait pipi au lit? Ah bon? Quand t'étais jeune, quand t'étais petit, évidemment, je parle, hein, pas. Ça te fait rien. Ça tient chaud. Ouais, au début, ça racle tout, mais après, ça gratte, ça pique. Au début, c'est chaud, ouais. C'est chaud pour tes fesses aussi, hein, parce que quand maman, hein, quand maman a découvre ça, pour faire fesses, hein. Mais bon, on fait pas exprès, je dis, tiens, hein. Tiens, chaud. En fait, c'est la Genja derrière toi. Hein? C'est de la Genja derrière moi? C'est quoi derrière moi, la Genja? Qu'est-ce que j'ai derrière moi? Ah, la plante là, non? Tu vois la plante? Ah ouais, tu vois la plante. Non, c'est quoi comme plante ça? C'est des herbes du jardin, c'est des mauvaises herbes qu'on a fait sécher dans le jardin. C'est pas de la Genja. Ah? Ah, de la marijuana? Non, non, il n'y a pas de marijuana ici. Non, non.
Non, non, il y a Patricia et il y a Thierry. Il n'y a pas Marie, il n'y a pas Juana. Non, non, ils sont pas là. Hein. Ils sont pas là, ils sont partis. Ça se fume aussi. Non, tu as peut-être des soucis, ça. Hein. Je sais pas quel effet que ça fait. Je peux t'en envoyer si tu veux, tu nous diras. Hein. Non, non, c'est bon. Non, non, on n'a plus besoin de ça. Hein. C'est bon. Hein. Tout va bien. Hein. Vous inquiétez pas. Cool. Maki Corse, ah ouais, mais ça risque d'être un peu fort par contre. Ah ouais, ça doit arracher quand même, hein, le Maki Corse. Ouais, par contre, ce qu'il faut éviter, j'ai su il n'y a pas longtemps, c'est le laurier rose. Hein. C'est très, très, très toxique. Hein. Faut pas en manger, faut pas. Tu sais, un enfant, hein, je parle pas, nous, on est. Hein, un enfant qui prend ça et qui. C'est très, très toxique. Hein. Faire un barbecue avec du laurier rose, il faut pas le faire. Hein. Attention, hein, c'est une des plantes les plus toxiques connues. Hein. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps, dis donc. Puis j'en ai planté dans le jardin en plus. C'est super joli et tout, mais alors une toxicité. Dur. Hein. Donc si ça peut vous servir, voilà, hein, je vous préviens, quoi. Ah, il est déjà lourd, lui. Je suis à con. Eh non, pas toi. Un oiseau. Oiseau. Ah ouais, j'ai pas mal de. Ah ouais, c'est bien ça. Je suis à combien là? Ah ouais, on se sent quand même. Allez hop. On se sent bien. Non, 1100 kilos. On se sent bien. Allez, c'est parti. On va repartir. Hop, à la maisonnette. Bah ouais, bah, je suis dans la bonne direction. Allez. J'enlève la map. Je remets un petit peu de lumière. Voilà. En bois de Chocou. Ouais, tout à fait, Fier. C'est ce que j'ai dit justement, Patricia. Quand j'ai su ça, il faut faire attention aux chats. Mais bon, les animaux, ils doivent sentir que c'est pas bon pour eux, hein, je pense. Hein. J'aurais préparé un petit poulet avec ses feuilles de. Ouais. Unique pas pour ma douce. Oh non, t'es vache. Non, non, c'est hyper toxique. Je plaisante pas. Hein. Salut Nico, comment vas-tu? Je crois que c'était des hommes d'armes de. Je sais plus si c'était les hommes d'armes de Napoléon, là, ils avaient fait un barbecue avec du laurier rose, il y a eu 10 morts, t'imagines? Non, non, sérieux, hein, faites attention. Hein. Pas trop sur leurs instincts pour ça. Ouais, Fier, bah justement, il y a un de mes chats qui est revenu malade. Hein, je sais pas si tu étais là à l'époque, ouais, il me semble que tu suivais ça. Même tu m'avais demandé des nouvelles du chat, je crois. C'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Hein. Et peut-être qu'il a bouffé de ça, hein, genre, je sais pas. Hein. C'est surprenant quoi, le laurier rose. Ah non, c'est Venom, excuse-moi, je croyais que c'était Nico. Non, ouais, salut Venom, comment vas-tu? Ouais, Nilma, c'est Venom. Ouais. Non, j'avais vu Ni. Je crois que c'était Nico. Okay. Ça va, tranquille, Venom. Ça va, Venom, pas de problème. J'ai su que tu as fait un Yuti et deux T-Rex au niveau là. Un Yuti, ouais. Ah non? Deux T-Rex et puis un. Ah oui, un Térizinosaure, pardon. Oui, un Térizinosaure et deux T-Rex. Ah, c'est cool ça. T'as fait deux gros niveaux en plus de T-Rex, apparemment. Venom. Mais tu les as trouvés où? T'as du pot comme je sais pas quoi, toi, de trouver des gros T-Rex au niveau comme ça. T-Rex, pas des T-Rex. Rex, Terry. Ouais, c'est ça, Venom. Ouais. Ah ouais, non, je me suis trompé. Je crois que c'était un Yuti. Non, non. Et tu penses que c'est bien pour faire les boss, les Térizinosaures, ou t'as fait ça pour le fun, pour toi, perso? Ou c'est pour faire les boss? Je prends jamais de petits. Ouais, non, je sais, Venom. Mais t'as... Ouais, non, non, bah, c'est comme Paco et Tino. Hein, vous êtes exigeants, là, tous les trois. C'est clair. Mais ouais, c'est impressionnant que tu aies trouvé des gros niveaux quand même, T-Rex. Moi, je trouve des niveaux 20, niveau 30, laisse tomber. Toi, direct, des niveaux 150, hein, c'est pas ça? Terry, c'est fort comme Dino. Ouais, c'est fort, mais contre les boss, c'est pas mal, alors Rem, non? Oui, Térizinosaure, laisse tomber, encore à corps, j'évite. J'irais plus faire un T-Rex qu'un Térizinosaure, ça c'est clair. Térizinosaure, je lui mets quelques balles avant dans la tronche avant de le faire encore à corps. Sinon, non. Ouais. Bon, je crois que c'était un mouton là, mais non. Ah, j'ai un Carnot Alpha sur ma gauche. Et j'ai combien de balles? 72 balles.
Oh, y a un Purlovia rose là. Purée, elle est. Carnot. Oh non, j'ai pas. Non, 72 balles, ça va pas être assez. Je sais pas. Et puis j'ai pas ma longue vue là. Oh, purée, c'est pas possible. Non, trop faible, faut pas des bébés si tu veux des boss, mais c'est des femelles, j'ai pas de mal. D'accord, ok. J'ai fait le café. Ça fait le café, comme on dit. Ah bon, c'est une expression, ça, ça fait le café. Ça fait le café, ça veut dire que c'est fort. C'est quelqu'un de fort. Quand on fait le café, on est quelqu'un de fort. Je sais pas, je connais pas cette expression. Ça fait le café. Je connais Poustanana et Moule Café. Ouais, ah, je connaissais pas. On apprend des choses sur le Twitch à Papy. Des... Ah, donc c'est ça fait le café. Voilà. Ah, tcho, je fais le café. Je fais le café. Ouais, je fais le café, ouais. Bah, je fais le café. Ah, j'ai le droit. Le chat, je sais pas. Ah, pas compris. Voilà, je suis balèze. Qui ça, Saki? Mais on peut plus passer de nulle part. Hein, plus, attends. Les travaux, c'est ça les travaux. Hein. Ah là 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 là. C'est dur hein, ça. Hein. Ils veulent qu'on fasse des travaux, on fait des travaux. Et après ils se plaignent parce qu'ils peuvent plus passer, c'est le bordel. Alors, hein, faut arrêter de savoir. Hein, Moi je suis surtout bordélique, quoi. Mais bon, une fois que c'est fait, après c'est joli. Hein, c'est joli. Ouais, ouais. Bah, si vous voulez voir nos chambres chez nous, vous allez vous taper chez Thierry et Patricia.com, je crois. Ouais, vous tapez chez Thierry et Patricia.com. Vous verrez les chambres qu'on loue. Je crois qu'il y a l'appartement aussi. Non, c'est plus appartement, ce sera des chambres. Bon, on arrive à la maisonnette. Enfin, il y a deux temps, hein, parce que là, j'ai chargé comme un bourricot l'aigle. Donc, c'est Jennifer. Hein, je suis sur Jennifer, là. Sur l'aigle. Hein. Que, je suis sur Jennifer, je vais les croiser. Hein. Elles sont pépères. Puis, il y a couscous. Il y a couscous, c'est bon là comme là-bas, dit. Hein? T'as le couscous. Un aigle couscous. Ah, c'est trop ça, j'aime bien. C'est les noms d'animaux. Chaque fois que j'en vois, je suis mort de rire. L'autre, c'était qui? C'est Brigitte Bardot. Ça met de l'animation au jeu. Hein? Je passerai tout à l'heure sur le serveur, tenter un Rex mal. Pas de problème, Venom. Tu viens quand tu veux, t'es le bienvenu. Hein. Y a pas de souci. Moi, je vais bientôt commencer les T-Rex, mais j'aimerais bien voir faire des fléchettes quand même, hein, minimum. Hein. Je vais pas le faire avec l'arbalète ou un arc. Hein. En fait, papy, l'extérieur de ma base est fini. Je suis en train de faire l'enclos Dino. Si t'as envie d'aller voir. Y a pas de problème, Shiro. Là, ce soir, ça va être short. Il faudra que je fasse une après-midi de Twitch. Et je viendrai voir parce que t'habites pas à côté, Shiro. Hein. T'es carrément à l'opposé de chez moi. Hein. Moi, je suis installé en bas à gauche et Shiro, il est en haut à droite. Voilà. Donc, c'est carrément en diagonale. Mais oui, non, tu finis ton enclos tout et je viendrai visiter et en Twitch. Hein. Pas avec Gaston. Parce que Gaston, je ne Twitch pas, j'enregistre pas les épisodes. Mais avec Papy Corse, il n'y a pas de problème. Comme ça, on verra ce que tu as fait et ça nous donnera des idées. Comme j'ai vu pour Cyclope, il m'a donné l'idée de faire des devantures en balustrade en bois. Et je trouve ça super. T'as une femelle en trop? Ça dépend combien tu me l'as fait. Mais, pas de cadeau, hein, je veux pas de cadeau, Venom. Hein. Tu me dis qu'est-ce que tu aimerais bien avoir et puis on fait l'échange. Moi, il n'y a pas de souci. Moi, une femelle T-Rex, il n'y a pas de problème. Hein. Mais tu me l'échanges. Pas contre deux ou trois ciments. Non, quelque chose qui en vaut la peine. Hein.
Ce que je préfère, ça donne du piment au Twitch. Hein. Tu diras quand ça sera fini chez moi. Tu peux... Ouais, j'y étais, Venom. Hein. Je suis tombé au hasard. Hein. Je cherchais pas. Hein. Je cherchais un mouton. J'étais chercher du pétrole et je suis tombé sur ta base. Mais c'est énorme. Hein. C'est énorme ce que tu as fait. Tu avais du pétrole dans ta base, même, tu sais. Tu as des pics en bois, tu as des portes behemoths et tout. Hein, c'est ça. Hein. Et il y avait du pétrole, je me suis permis de le prendre. Hein. Je sais pas si c'est réapparu parce que tu avais construction à côté. Donc si tu... Ah, tu t'es demandé, tiens, il y avait du pétrole, il n'y en a plus, comment ça se fait? Bah c'est pas pire. Pas de problème, Venom, tu. Je sais que tu nous fais des choses de bien aussi, toi. Et ce sera avec plaisir que je montrerai ta base au télé-twitcher. Ah ouais. Et toi, tu fais des trucs vraiment... Waouh. Ouais, comprends pas, il dépop pas cela. Ouais, non, c'est moi qui a pris. Ah, ils reviennent à chaque fois, et puis malgré que t'as mis tes pics à côté, tes portes behemoth, d'accord, donc ça empêche pas de revenir, quoi. Ah bah c'est cool, ça. Ok. Enfin, je suis franc, hein. Moi, si je viens, je vous prends quelque chose, je vous vole quelque chose, je vous le dis. Hein. Donc, pas de problème. Hein. Après, c'est plus du vol. Si je vous le dis, c'est plus du vol, donc ça soulage ma conscience, donc c'est cool. Elles sont pépères. Bon, oui, alors là, il faut que j'enlève le... ce que j'ai pris, hein, de l'aigle. Allez, hop. Je crois que je te laisse devant, mon titi. Hop là. Allez, on y va. C'est pas ce qui manque, le pétrole chez moi. Ouais, ouais, mais quand j'y vais, là, je mets la... Bah, ce que tu m'as offert, là, la combinaison en fourrure, hein, je m'en sers, hein, largement. Et puis je vais faire un plein de pétrole. Voilà. Et ce qui m'a permis d'échanger avec Patricia 14 croquettes pour les loups, là, les croquettes bleues. Violette. 14 croquettes violettes contre 1000 pétroles. Voilà. Donc business. Comme ça, elle, ça lui permet de faire plus de croquettes et de ne pas perdre son temps à aller chercher du pétrole à droite à gauche. Donc voilà, c'est ça le but. Hein. C'est de s'entraider. Voilà. Et moi, je trouve ça super cool. De toute façon, papy, si tu viens avec ton perso, là, on verra... Ah non, mais c'est Gaston, Chiro. C'est Gaston qui vole pas, lui. Oui, oui, il vole, Gaston, sur son aigle. Ah, oui, oui, il vole sur son aigle et il subtilise des trucs qu'il voit qui sont pas protégés. Normal. Donc, c'est pas du vol. Si c'est pas protégé, c'est pas du vol. Hein. J'ai beaucoup... Fourrure mythique, mais très cher les ressources. Qui... Ah ouais, si t'as la fourrure mythique, laisse tomber. Ouais, il a de la fourrure mythique. Ouais. Mais ouais, mais il est là-haut, Venom, et il connaît Islande comme sa poche presque. C'est... Et puis tant mieux, hein, c'est à féliciter. Hein. Ah, salut Nico, cette fois c'est Nico. Tout à l'heure, je me suis trompé avec quelqu'un, avec Venom. Merci, Cray Vito. Merci à toi de ton Twitch. Sympa. Merci. Merci, madame la marquise. Merci. Allez, hop, on va décharger un peu par ici, voilà. Tu mets ça, t'as plus froid. Tu m'étonnes, Venom. Parce que même avec la fourrure, je suis pas en glaçon, mais je suis en flocon. Je suis en flocon. Et j'ai hâte que Patricia fasse des bouteilles rouges, parce que ça, je vais lui en commander pas mal. Hein. Des bouteilles rouges qui te raminent ta vie direct. Hein. Ça, c'est cool. C'est cool in the gang, ça. Voilà, donc je sais que Patricia fait beaucoup de cuisine. Moi, ça me prend le chou, la cuisine. Donc voilà, si elle veut du pétrole, des machins comme ça, moi, je préfère farmer que de cuisiner. Moi, cuisiner, voilà, on en revient là. Que ce soit en virtuel ou en réel, j'aime pas cuisiner, moi. Mais quand ça va réparer, je vais... Ouais, tu m'étonnes, Venom. C'est sûr, c'est comme mon épée mythique. Moi, j'ai pleuré. Hein. Quand il fallait que je la répare, j'ai pleuré. Hein. 900 métaux. Hein. 900 métaux pour réparer mon épée. Laisse tomber. J'ai déjà du mal à en réunir 500. Laisse tomber. T'as 25 de résistance, tu m'étonnes. En plus, sur ton personnage, t'as mis 25 de résistance. T'es à 20, toi? Ah, j'ai rien mis, moi, encore. Purée. Oh, le meilleur GT, c'est 22. Ah ouais, non, mais faut en mettre. Hein. Eh ouais, je sais, faut en mettre, mais bon, voilà, c'est les priorités. Hein.
32, Chiro. 32 de... Ma purée. Vous mettez pas de poids, vous mettez pas quoi alors? Ouais, c'est important, même la résistance, tout à fait. Mais ouais, je sais pas, c'est... C'est ce que j'aime bien, c'est contre les, quand tu te fais toucher par les scorpions ou les titanoboas et tout ça, c'est sûr que ça sert. Hein. Ou les troodons, hein, les espèces de... purée. 300 de poids, ouais. 300 de vie. 300 de vie. 32 de résistance. Donc l'endurance, tu dois avoir que 100. Alors tu ne touches pas l'endurance. Ah, vous touchez pas l'attaque. C'est ça. Vous touchez pas le corps à corps. Et moi, je touche le corps à corps. Ah ouais, d'accord, ok. Ça marche. Gain, gain, faux. Ok. Oh là, attends, là, c'est chargé, là. Hop, un petit peu de charbon, de poudre à canon. Hop, 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 hop. Allez, ça, on va le mettre aussi. On va aller chercher du bois si j'en ai. Puis on va mettre les forges en route. Ah, je suis content des 4 loups, là, des... Ah, ça me manquait les loups, hein. C'est pas en PVP que je pouvais, en officiel je veux dire. En officiel je pouvais pas avoir ça, et ils me les tuaient à chaque fois, et j'avais les boules. Ah là je suis content, hein. Franchement là j'ai 4 beaux loups là. Ouais, tranquille. Hein? Ouais ça va, je suis dans les bras de Morphée. Mada Chicago, t'es dans les bras de Morphée? Ah ouais? Qu'est-ce que tu fais dans ces bras là? Qu'est-ce que tu nous fais Chicago là? Salut à tous. Ah, c'est Patou. Patou vient de se connecter. Ouais, ça, t'es dans les bras de Morphée. Alors ta femme, elle est derrière toi. Elle te tient comme ça. Hein. Et puis toi, t'es avec ton jeu. Et puis ta femme est derrière et elle te fait un câlin. Oh, Madara. Je sais pas si je demande ça à mamie, elle va me le faire. Bah, tu t'assois sur mon siège, après je m'assois sur toi. Tu m'enlaces. Tu me chuchotes à l'oreille et puis moi je joue. C'est ce que fait Chicago, apparemment. Ça fait un moment. Ça fait un moment en plus. Moi je pourrais pas m'asseoir sur mon épouse. Je vais l'écraser, moi. C'est pas bon. C'est pas... Ouais, faire un bon dino d'attaque. Ouais, on touche pas la... Ouais, mais moi, je suis solo et voilà, je me sers pas trop des dinos, les copains. Ouais, moi, je me prends tout pour moi. Ouais. Alors, je me sers pas des autres pour régler mes problèmes. Je me sers moi-même. Hein? J'étais avec un troodon. Ça fait... Ouais. Tu étais avec un troodon. C'est Morphée troodon. Oh purée. Ça fait bobo le troodon. Attends, qu'est-ce que je fais, moi? Bon, il faut que je prenne du bois, là. Parce que là j'écoute vos sollicitudes. Alors, attends, j'ai tout mis là-dedans. Alors là, c'est le bordel. Alors, là, c'est le boxon. Il y a de tout là-dedans. Voilà. Ah, c'est en cours d'instauration, c'est en travaux. Alors quand c'est en travaux, ah, c'est pire que Notre-Dame de Paris, là. Hein. C'est le bordel de chez bordel, là. Il peut y avoir le feu, là, faut que je fasse gaffe. Hein. J'ai viré les agents de sécurité, me coûtait trop cher. Ah, les petits dinos. Ah, j'ai pas de petits dinos, moi, Nico, donc tu dois pas parler à moi. S'est fait attaquer par un troodon, du coup il s'est... Ah, dans les bras, d'accord, ok, dans les bras de Morphée, d'accord, ok, je comprends mieux maintenant, Chiro. Merci Chiro. Ouais, d'accord, il est dans les... Ouais, d'accord, il est aux anges, quoi. Il est HS, il a fait une overdose de double zéro, là. Le troodon, il a mis la dose. Ok, ça marche. Merci Chiro. Non, parce que dans les bras de Morphée, ça veut dire que je suis entre les mains de Madouce et Ah, c'est en train de dormir. Moi, je croyais que c'était Morphée, c'était notre conjointe. Non? Ah bon? Ouais, bon, bah, ouais, écoute. Hein. On apprend tous les jours. Hein. Voilà. C'était une idée reçue que j'avais, alors. Ok. Donc, t'es en train de dormir, t'es carrément à l'ouest. D'accord. Il s'est fait attaquer, du coup. D'accord, ok. Donc, dans les bras de Morphée, ça veut dire ça. D'accord.
Tu parles à moi, Nico? C'est bien dormir. D'accord, Fir. Bah ouais, bah écoute, hein, moi je suis spécial. Hein. Moi, dans les bras de Morphée, quand je disais ça à mes potes, c'était que j'étais avec ma copine, bien, tranquillou. Voilà, hein, dans les bras de Morphée. Bon. Maintenant, ça change. Bon, voilà. Hein. Faites beau rêve dans les bras de. D'accord, ok. Qui c'est Morphée alors? Qui c'est Morphée? C'est ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est une déesse grecque, non? Morphée? On en apprend, c'est une encyclopédie chez Papy Twitch. qu'est-ce que je voulais? Ouais, t'as combien de dinos? Alors, oui, Nico, si tu parles à moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et un 9 avec le Ptera là-haut. 9, 9, 10, 11 avec mes deux escargots, Nico. J'ai deux escargots, j'ai deux achatinas. Vous saviez que les achatinas, ça existait? Hein, les gros escargots comme ça, il y en a, je sais plus où j'ai vu, en Guadeloupe ou en pays en malgache ou en tant qu'on s'appelle pas le Nicaragua, le. Oh, comment ça s'appelle en bas de l'Afrique sur la gauche? Non, sur la droite. Madagascar, voilà. Madagascar, il y a des gros escargots, ils les appellent les achatinas. Vous saviez ça? Hein? Papypédia, bon, vaut mieux Papypédia que Papypédé, hein. Je préfère. Hein. Hein? Voilà, Papypédia, mais bon, Papypédia, c'est. J'aime pas le P, Papypé, j'aime pas. Ah, ok. Ouais, non, il y a des achatinas. Hein. Ouais, j'ai tiens, ils mangent des animaux préhistoriques. C'est des gros escargots comme ça, puis ils prennent la chair là-dedans. Et ah, je pourrais pas le manger. Hein. Déjà, un bulot, ça va, tranquille. Mais un achatina, non, Ouh! Waouh! Voilà le gano. Et il disait, ils interviewaient des Français qui ont mangé. Il me dit, ouais, c'est plus fin que les escargots de Bourgogne. Ou Genfos, hein, Papy Dev. Non, 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 il n'y a pas Papy Dev. Moi, je vous apprends rien sur Dev, moi. Oh, c'est bon. Non, non. Hein? Papidopédie, oh c'est pire ça, Rem. Non, 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 il n'y a pas papidopédie. Pidi, pidi. Oh, l'a pas fait celui-là. Papidopédie, là, je suis pas un pidi, moi. Ah, c'est clair. Oh, l'a pas fait, lui. Attends. Attends, toi, Rem. Oh, c'est dingue. Encore un Popo, Popo, merci Popo du 56 pour ton Twitch. Popo, faire Popo. Non, je rigole parce qu'on en parlait du Popo. Ah, ah c'est pour ça. Donc, attends, parce qu'il y en a qui. Il y a des filous là. Popo, c'est. Tu veux faire caca? Non, non, on va faire Popo. Tu veux faire Popo? On va faire Popo. Pipi, Popo. Chapi, chapeau, chapi, chapa, pas là-bas. Bili, 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 bilou. Oh, hey, comment on dit décathlon en chinois? Vous savez pas comment on dit décathlon en chinois? Ah bah, je vais vous le dire. Ting, ting, Non, c'est. En chinois. Ah, je suis un rêve. Ah, c'est parti là. C'est parti. Hein. Ah, ouais. Ah, oh, hey, t'as vu ce qui est arrivé hier à la gare? Un train. Encore un machin. Attention, vous étouffez pas, les mecs. Hein. Parce que là, c'est parti. Hein. Comment on appelle nos voisins au Canada? Je sais pas. Je sais pas. Les embêteurs, pour être poli. Merci MATIS, qui veut dire Matisse. Merci pour ton suivi, follower. Allez-y, mollo, les gars. Allez-y, mollo. Faites pas trop de Twitch, s'il vous plaît. De followers. Gardez-en pour le 1er mai. Le 1er mai, ça compte double. Hein? Donc si vous voulez follower, faites-le le 1er mai, ça sera sympa. Franchement, ça sera sympa. Il y aura peut-être des surprises. Peut-être. Ah? Avec un téléphone. Hein? Ah, Fir, comment on appelle les voisins? Oh, Fir.
Fier. Non, 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 là, franchement. Ah ouais, bien, 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 bien. Ah, Fier, tu marques un point. Ah Ah. C'est comme l'autre, il dit à son pote, tiens, appelle l'ascenseur. L'autre, il dit, ascenseur, ascenseur! Ah, c'est pas... Ah, tu sors avec un copain comme ça, tu sors qu'une fois. Moi, je sors qu'une fois avec lui, hein, c'est tout. Ah, le premier, fête du travail, c'est un jour férié, bizarre, ça aussi. Ah bon? Je sais pas. Donc, faut que je me repose deux fois plus, moi, alors, le premier mai, si je bosse pas. Quoi? Non, mais je bosse pas pour un patron, je bosse pour moi, moi. J'ai compris la vie, moi. Je suis pas bête. Non, je suis pas un feignant, je travaille pour moi. Pareil pour les autres, tu rigoles, non? Les pieds nickelés, là. Bah, attends, non, non, hé, le 1er mai, les copains. Attendez, hé, oh. Merci à toi, Mine Jojo. Mine Jojo 10, merci à toi. Mais gardez les followers pour le 1er mai, je vous en prie, là. On arrive de la danse, là, arrêtez. Cool. Hein? Je suis un des premiers télé-twitchers à dire arrêtez les followers, il y en a trop, là. Hein? Non, sérieux. Pourquoi les Belges? Oula, Ourem, attention, ta croquette, et t'en as d'autres, là. Ils vont aux toilettes avec du pain. Ouh là là, Rem. Oh, tu prends des risques. Oh, attention. Si t'as des nationalistes belges derrière, tu vas avoir tout faux, Rem. Hein? Ouais, le mec qui appelle l'ascenseur et son pote lui dit non avec le doigt et du coup, son pote met le doigt sur la bouche. Chiro, elle est là. Avec le doigt. Ah, pardon. Ascenseur. Avec le doigt. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, je l'ai raconté à moitié, excuse-moi. Ah non, c'est trop. Alors, pourquoi ils vont aux toilettes avec du pain? Eh, faut, attention, faut que ça soit respectueux. Hein, attention, tu réfléchis, là, t'oses plus répondre, là. Non, sérieux. Je bois avant que tu me dises la réponse et j'ai pas envie de recracher mon médoc, quoi. Attends, je joue plus là. Je joue plus. Oh. Ah? Ouais, j'attends la réponse avant que je vous en donne une autre là. Il réfléchit avant. Il dit, oh là, je vais avoir tout la Belgique contre moi là. Après, c'est pas bon. Parce qu'il y a beaucoup de Belges hein, derrière. Hein. Pour nourrir canard fessé. Ah, oh, j'ai bu avant, mais c'était. Ah, oh, c'est pas vrai. Tu es fou, hein. Ils veulent noir, canard. Attends, ah, la chorégraphie. Ah, tu t'entraînes comme danse. Danse avec les stars. Non, non, mais je suis pas une star, moi. Je vais pas danser. Non, non, mais attends, on n'est pas à 700 là. Non, non, c'est bon, hein. Ouais, trop... Puis l'autre, là, Dawa, le gros caca, il me regarde, là. Il me dit, t'as un problème, toi, t'as fait gaffe. Oh, purée. Allez, alors, une devinette. Quel est l'acteur américain qui prend toujours deux glaçons dans son verre? Hein? C'est Michael Douglas. Monsieur, attends, Michael Douglas. Deux glaces? Il prend deux glaçons. Hein? Ouais, mais on est en France, on parle français là. Attends, ouais, Douglas, ouais, tout à fait. J'avais pas vu le nom du fiumeur. Ah ouais, non, t'avais pas vu. Bah ouais. Faut regarder les noms de mes animaux parce que ça a une histoire, hein, mes noms d'animaux. Ouais. Combien faut de personnes pour faire un gâteau au chocolat? Combien de fous même? Combien de fous il faut pour faire un gâteau au chocolat? Il en faut 50.
un pour faire le gâteau et 49 pour éplucher les Smarties. Oh misère. Des... Bon allez, c'est beau, hein. Ah, il y en a plein d'autres, là, j'en ai vu hier, j'étais mort de rire, j'en pouvais plus. Ah, moi, des trucs comme ça, ça me fait plier. Ah oui, c'est bon. Il y en a une autre, attendez, je reprends mes esprits. Attends, je vais peut-être finir la... Attends, j'ai Steven derrière, s'il m'entend, il dit on est tombé sur un fou, là. Chut, chut. Merci de m'avoir suivi à cet épisode. Ciao, bye bye pour la prochaine.